bien, on est parti pour continuer ce chapitre 3. Et je vois que le son est un peu fort. Sur l'écran titre, du moins. C'est donc au moment où le chapitre bascule un petit peu dans l'angoisse. Les frissons, tout ça. Mais surtout, on vérifie que le jeu est bien enregistré. No, no way, pas possible. Elle était paralysée par la peur. Alors attends, est-ce que le bot y fonctionne correctement ? Mon cœur battait as if it were struggling to break. Mais donc mon cœur battait si vite, enfin mon cœur battait comme s'il essayait d'échapper à une emprise sinistre et de se libérer. C'est probablement des membres d'un groupe assez zélé ou un professeur qui travaille tard. Je suis juste stupide. En y réfléchissant, je me suis vaguement rappelé la mention. Je me suis rappelé quelqu'un mentionnant une. Oui, ben un groupe qui est. La performance d'un groupe arrivant. Oui, la performance future d'un groupe. Wind Instrument Club. L'instrument à cordes. Wind Instrument, on va vérifier. Ben non, c'est les instruments à vent, les vents. On suppose qu'un orgue pourrait faire ce son. Quelqu'un a probablement dû rester tard pour pratiquer, pour réviser, c'est tout. Ah, je ne peux pas enlever de ma tête cette satanée histoire de fantôme. J'ai pris une autre respiration et j'ai essayé à nouveau, ou une profonde respiration, et j'ai essayé à nouveau de calmer mes nerfs. Jittery nerve. Jittery. Qu'est-ce que c'est Jittery? Jittery. Nerveux fébrile. Oui, bah j'ai essayé de calmer mes nerfs. Ma fébrilité. N'importe quoi peut être effrayant, si tu penses que cela l'est. J'avais entendu que si tu laissais ton imagination faire n'importe quoi, être en roue libre, la peur pouvait même provenir de choses qui ne sont pas présentes. Et mon imagination était définitivement en roue libre. Ah, j'y suis presque. Je pourrais tout aussi bien taper un sprint pour le reste du chemin. J'ai décidé de me presser vers ma salle de classe. Comme ça, je pourrais partir de ce couloir le plus vite possible. Aussi vite que possible. Heureux d'Armagnac. Ouais, j'ai dit qu'il y aurait du corps parti ce soir. Comme ça, tu pourras me dire si le son est bon. J'ai finalement atteint cette porte familière et j'ai. Oui, bon, I swiftly open. J'ai fait un mouvement pour l'ouvrir et j'ai allumé la lumière. Elle a ouvert en un coup de vent, tellement c'est. Elle a ouvert rapidement. Swiftly opened. Yatto tadoritsuita. Atto wa pen case o wasurenai yoni shinakucha. Très bien, je l'ai fait.
Maintenant, j'ai juste. I just have to be absolutely. Oui, donc maintenant, je dois être absolument certaine que je ne pars pas d'ici sans avoir la trousse avec le crayon à nouveau. Thanks to all my unexpected bosses, to freak out. Donc, dû à cause de mes pauses non prévues, quand j'avais été effrayé par le tonnerre et les éclairs, ça m'avait pris beaucoup plus longtemps que ça n'aurait dû l'être de me retrouver ici. Il était déjà 19 h passées. 19 h. C'était le moment pendant lequel. Tu m'entends bien, d'accord, merci. C'était le moment précis. Non, I pointed. Bah si, c'est le moment. Oui, c'est le moment précis. Hop, je vais vérifier. Il me semble que c'est le moment précis. A pointed moment. A pointed. Convenu, le moment convenu, autant pour moi. C'était le moment convenu que le fantôme, enfin, quand le fantôme de cette professeure était supposément censé apparaître, au moins si on s'accorde avec la légende urbaine de l'école. Oui, pas de professeur mort ici. Undead. Mort-vivant. J'ai laissé entendre un soupir relief de soulagement et j'ai relâché mes épaules un peu. Donc les lumières étaient à la fois dans la salle de classe et dehors dans le couloir. Et évidemment. Bien sûr, c'était. Il planait un silence mortel. Mais la peur que je ressentais s'était barrée. Elle n'a pas dit c'était barré, mais c'est un synonyme. Ouais, y a rien de quoi être effrayé. Les sept merveilles, donc les fameuses sept histoires de fantômes, elles n'existent pas, elles ne sont pas réelles. J'ai attrapé la trousse la trousse au crayon pour laquelle j'étais revenu et je l'ai rangée dans ma poche. Ok, mission accomplie. With my long order behind me. Oui, donc avec la enfin ordeal, non, ordeal, il me semble que c'est l'ordre dans le sens jugement. Je vais vérifier. Mais c'est la motivation pour laquelle elle est venue. Ordeal. Enfin, je sais même pas comment on le dit. L'épreuve, le supplice, le calvaire. L'ordalie, voilà, c'est le mot que je cherchais. En français, c'est l'ordalie. Donc avec l'épreuve. L'épreuve, c'est d'être venu chercher la trousse avec le crayon. Donc, avec cette épreuve derrière moi, plus ou moins, j'ai regardé dans la classe. En laissant échapper un autre soupir. J'ai seulement connu cette classe quand je. Ouais. I only ever known this classroom when it was bustling with. Oui, donc j'avais seulement connu cette classe quand elle était en activité avec tout le monde travaillant. Et. And thus found its area. Harry, qu'est-ce que c'est Harry? J'ai un doute. C'est étrange. Non, c'est pas étrange, Harry. Si, si, c'est étrange. Et je trouvais cet étrange silence. Oui, et l'immobilité des chaises et des tables. Enfin, l'immobilité présente. Étrangement fascinante. Quel étrange sentiment être seul dans une salle de classe comme ça. Donc j'avais l'idée dans ma tête
J'avais une idée qui me trottait dans la tête, d'essayer de faire quelque chose que normalement je ne sais pas, je ne devrais pas pouvoir faire, comme me tenir à l'estrade du professeur et écrire quelque chose au tableau. Des chances comme celle-ci ne courent pas les rues, après tout. Pour moi, la zone derrière l'estrade du professeur, à partir de laquelle donc le professeur faisait la leçon, était comme un lieu sacré. Et puisqu'on le rappelle, elle veut devenir professeur. Je rêvais de me tenir ici un jour, et je pouvais difficilement résister quand une opportunité rare comme celle-ci se produit, se présente. Eh bien, personne ne regarde. Pour mes camarades de classe, ça aurait semblé futile, stupide, mais ça n'aurait pas changé la manière dont je ressentais, que je ressentais à ce moment. Est-ce que je devrais ou est-ce que je ne devrais pas? Ah, là déjà, je crois qu'on a un truc pour la mauvaise fin. Il est temps de vérifier. Donc on va faire une save. Oui, parce qu'il y a cinq petites mauvaises fins à faire, heureusement. C'est pas très long. Ça va pas nous prendre beaucoup de temps. Alors déjà, il y a une mauvaise fin si on se casse. On a vu, le jeu a fait une quick save. Ok, j'ai vraiment pas le temps de m'amuser maintenant. Je devrais partir. J'ai décidé que ce serait mieux. My yearning. Yearning, j'ai un doute. Yearning. Parce que dans yearning, il y a yearn. Enfin, il y a year et, year et learning. Mais j'ai un doute. Je pense pas que ce soit année d'études. Mon désir. Donc, j'ai décidé qu'il aurait été mieux. Que ça aurait été mieux de mettre mes désirs de côté et de quitter la salle de classe. Eh bien, oui, cette merveille particulière, donc cette histoire de fantôme particulière, s'est révélée être rien du tout, il semble. Je suppose que c'était uniquement de la superstition. Je ne pouvais pas croire que j'avais indignant, que j'avais été méchante avec Tsukasa sur quelque chose d'aussi trivial. En y réfléchissant maintenant, ça semblait un peu ridicule. Très bien, il est temps de rentrer à la maison. Je dois aller me coucher tôt si je veux être prête pour demain. Demain, elle a ses examens d'entrée dans l'université. Avec ça dans ma tête, dans mon esprit, j'ai marché vers la porte de la salle de classe et j'ai fait un pas dans le couloir. Quand soudainement. Et. On avait prévenu. Mauvaise fin si on quitte la salle de classe. Par contre, là, la musique a l'air assez forte. C'est le moment de baisser un petit peu. Alors, non, pas ça. Tu te vires de là, toi. Voilà. Hier, il est temps de baisser la musique. La baisser un petit peu encore. Voilà, ça devrait être un peu plus écoutable. Je vais baisser aussi dans mon casque parce que je ne m'entends même plus parler. Donc la porte s'est refermée d'elle-même avec une force incroyable. Et mon cou a été bloqué entre la salle de classe et l'extérieur.
J'enfonçais mes ongles dans la porte, frénétiquement essayant de l'ouvrir. Mais plus je poussais, le plus, ben, la porte bloquait mon cou. Flailing. Est-ce que c'est je perdais ma respiration, flailing? Vérifier. Elle s'agitait dans tous les sens. Donc je m'agitais dans tous les sens. Oui, bon. Contorsionnant mon corps, essayant de toutes les manières. Essayant de faire tout ce que je pouvais de toutes les manières pour m'échapper. Pourquoi? Mon cou était... Ah, mais clampé, oui, clampé. Clampé, c'est quand, tu, par exemple, tu clampes une veine, tu coupes le passage du sang. Donc tu clampes un nerf, plutôt qu'une veine. Mon cou était clampé fermement. Je pouvais sentir le sang allant vers ma tête. Je ne pouvais pas respirer. Ouvrir ma bouche. Ouvrant ma bouche. À cause de la terreur, de la peur. J'ai sorti ma langue comme si j'essayais d'avaler de l'air. Donc. Oui, donc bougeant ma tête avec force de gauche à droite. Swiveled. Oula, swiveled, je ne me rappelle plus tout ce que ça veut dire. Swiveled. Pivoter. J'ai pivoté mon corps pour faire face au plafond. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu la silhouette, une grande silhouette noire de quelqu'un. Un cri silencieux est sorti de ma gorge. C'est faufilé hors de ma gorge même. Mais la porte était toujours en train de faire pression, de presser contre mon cou. Je ne peux pas, Tsukasa. Mauvaise fin. Et voilà. Ma Wild. C'est quoi? C'est ma vision s'est obscurcie. On apprend son anglais avec son streamer préféré comme tous les jours. Enfin, comme tous les soirs. Tourbillonner. Ma vision. Ouais, donc elle devait avoir la sensation d'avoir la tête qui tourne, mais dans les yeux. Ma vision tourbillonnée. Et j'ai senti. Et j'ai eu la sensation de tomber en même temps. Oui, bon, quand un liquide chaud a commencé à. Couvrir mon visage, sortir de mon visage. Couvrir mon visage, on va dire. Hein? Alors que je me débattais pour mettre un sens dans tout ce qui se produisait, la porte avait violemment ouvert mon cou. Avec attention. Avec attention. Non, violemment ouvert mon cou. Non, pas ouvert, foutu violemment un coup dans mon cou, le laissant ouvert. Mais bien ouvert. Elle s'est faite égorger par une porte, à moitié décapitée. Le sol du bâtiment de l'école est arrivé rapidement contre ma tête. Je ne voyais plus rien. Ma vision était devenue blanche et commençait à devenir floue. Mais je pouvais toujours voir. Je peux voir mon corps
Elle s'est faite décapiter par une porte. J'étais en train de rouler le long du couloir. Et là, en une frame, enfin en une seconde, une image, j'ai pu voir mon propre corps, sans tête, tomber sur le sol. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, il n'y a plus de musique là, je vais pouvoir remettre le son. Je vais remettre le son. Je vais remettre là où il était. Voilà. Coupe un petit peu plus. Voilà. Mince. Les appels texte. C'est pas grave. Elle a juste pas compris ce qui s'est passé. Et voilà. Première mauvaise fin. On l'a faite. J'avais dit que ça prendrait pas beaucoup de temps. Fait la première mauvaise fin du chapitre 3. Merci. Donc cette fois-ci, on ne va pas quitter la salle de classe. Ouh là, le son m'a l'air un peu fort, je le vois dans le... Ah non, c'est le son des menus qui est un peu fort. Je vois que ça s'excite à chaque fois que je fais ça. Ah non, c'est dans le menu principal que le son est un peu plus fort. On reste sur les strates du professeur. Oh, mais comment je peux manquer cette occasion? C'est la chance de ressentir ce que ça fait d'être une véritable professeur. Décider que j'avais le devoir de l'essayer. Je me devais de l'essayer. Oui, durant le nettoyage en journée, est-ce qu'il s'y a pas et elle reste. J'étais venu et parti de cet endroit de la classe un nombre incalculable de fois. Mais c'était la première fois que j'avais vraiment une opportunité. Non, c'est la première fois même que j'avais une opportunité de me tenir ici et de gérer, de présider à la classe, mais ouais, de faire la classe. Alors, c'est comme ça que voit un professeur. C'est comme ça. This how it looks. Oui, c'est comme ça que la vision est d'un prof, que la vision d'un professeur est. Oh, c'est dans le genre inspirant. Oui, elle dit oh, awesome, inspiring. C'est dans le genre génialement inspirant. Ou incroyablement inspirant. Gagner le point de vue d'un professeur dans le plus littéral des sens, ça me chauffait bien. Ça pouvait paraître stupide maintenant, mais c'était ma place. Cet endroit où tous mes... Où je pouvais, oui, je pouvais jouer tous mes rêves, où tous mes rêves pouvaient se réaliser. Un jour, j'ai commencé à imaginer le futur qui m'attendait. Painstakingly. Cherchons. Que pain, c'est la douleur, mais je pense
J'ai un doute, je pense pas que ce soit lié à la douleur. Painstockingly. Voilà, j'ai le mot. J'ai oublié de passer par la tablette pour la traduction. Avec soin, méticuleusement. Donc détaillant méticuleusement de le, oui, une leçon pour les étudiants assis attentivement à leur bureau, faisant glisser la craie le long du tableau, le remplissant d'informations pour les aider dans leurs études. Ah, on entend le nouveau le bruit. C'est pas un bug, hein, ça vient bien du jeu. C'est pas une alerte sonore. De toute façon, je peux pas allumer Google sinon. Le jeu est trop gourmand. Je peux jouer très bien avec Google d'ouvert et le jeu. Si je ne stream pas, si je stream le PC, ah, il peut pas. Celui-là, le jeu, il n'y arrive pas. Ah, j'espérais qu'un jour, bah, je pourrais faire ça. Can't make the cut one of this day. Oui, donc elle pourrait reproduire ce qu'elle vient de dire. Je devenais vraiment excité que j'ai même commencé à réfléchir à... Non. Began to think my behavior with a little stranger. Oui, donc j'étais tellement excité que j'ai commencé à penser que ce que je faisais était un peu étrange. Behavior sont... Son en... Ouais, ça se traduit pas, mais l'ennui qu'elle provoque, le problème là qu'elle provoque, sa petite pitrerie. Peut-être que c'était la juxtaposition de... Of the joyous freeing vision. Ouh, les tournures de phrase. Donc, peut-être que c'était la juxtaposition de ces... On va dire... de la liberté que j'ai de pouvoir m'imaginer. And the prickling dread. À chaque fois dread, j'oublie ce que c'est. Comme dans Metroid Dread. La crainte. Et la crainte donc que j'avais juste une minute ou deux auparavant. Donc tout ça, c'est pour décrire pourquoi elle trouve que cette expérience est un petit peu étrange. Mais alors, en un clin d'œil, une de ses émotions crée un conflit conflictuel, avait complètement dépassé l'autre, surpassé même. Oh, on a eu la même réaction. Merde, est-ce que c'est une coupure d'électricité? Il y a une nouvelle mauvaise fin. Attention. Cette fois-ci... Eh bien, on doit choisir de rester là. Ou de se cacher dans le placard. Qui est sûrement le placard qu'on voit tout au fond. Pour moi, c'est à gauche. Soudainement, ce qui m'entourait était baigné dans l'obscurité. Donc, donc me paralysant par le choc, j'ai fait un pas en arrière. Steve, attends, non, Steve c'est pas paralysé. Steve c'est pas durcir. Il me semble que c'est durcir. Rigide, voilà. Donc c'est bien paralysé par le choc. On peut faire un synonyme. Donc mon dos s'est retrouvé contre le tableau avec bon, un son de... Je sais pas si ça s'entend, j'ai fait un petit coup sur le bureau. Donc avec un son de collision. Quel timing atroce. J'ai instinctivement attrapé
la gouttière, enfin l'espèce de gouttière de là où tu poses les craies et l'éponge pour le tableau. Donc j'ai instinctivement attrapé l'espace où l'on pose l'éponge et les craies. J'ai pu sentir la poussière de craie contre mes doigts, le bout de mes doigts, là où il y a les empreintes digitales. Donc les battements paniqués de mon cœur rendaient ma respiration difficile. Est-ce que ça avait été causé par l'orage? Si c'est le cas, oh, ça a vraiment pris le meilleur moment pour m'éteindre les lumières. Elle dit ça ironiquement, évidemment. Et de plus, je peux toujours l'entendre, le son de cet orgue. Mais non, c'est un orgue électrique. Comment c'est même possible qu'il fonctionne sans énergie? Tu ne dois pas y aller. Est-ce que c'est cela que la vieille femme essayait de... Pour cela que la vieille femme essayait de me prévenir? C'est impossible. Elle n'était pas une diseuse de bonne aventure ou une médium, autant que j'étais au courant, autant que j'en avais conscience. Comment est-ce qu'elle aurait pu possiblement connaître ce qui allait se produire? Putain, si elle était une diseuse de bonne aventure ou une médium, prédire le futur, ce truc qui appartient à la science-fiction. Même si elle était une des âmes d'une aventure ou une médium, prédire le futur, c'est ce genre de truc qu'on trouve dans la science-fiction. Ouais, elle a bougé sa tête de gauche à droite. J'ai besoin de me calmer. Peut-être que c'est juste cette aile du bâtiment qui a perdu l'énergie. Et peut-être que la musique... Non, et la salle de musique... c'est toujours bon là-bas. Ça semble plausible. Pas vrai? Ah mince, j'ai plus le mot. C'est quand t'as la main qui est toute droite et puis tu recourbes, voilà. J'ai recourbé mes doigts poussiéreux à cause de la craie en un point. Et j'ai silencieusement essayé de me faire sens. De reprendre mes sens. Okay. Je dois partir d'ici. Je n'aurais pas dû jouer à la professeure. J'aurais dû venir et partir. Me maudissant un petit peu. J'ai essayé de trouver mon chemin à travers l'obscurité de la salle de classe. Je crois qu'elle s'est prise à un bureau. J'avais passé tellement de temps ici que je me pensais être capable de trouver mon chemin, même les yeux fermés. Mais tristement, ce n'était pas le cas. Tapant. De manière bruyante dans un bureau, je l'ai eu. I knock it on. Oui, donc elle a perdu l'équilibre. J'ai perdu l'équilibre. J'ai perdu l'équilibre et j'ai commencé tumbling after it. Oui, elle a commencé à comment on dit. C'est quand tu tangues. Oui, elle a commencé à perdre l'équilibre, à tanguer. Et instinctivement, j'ai attrapé d'autres bureaux autour de moi pour m'aider à rester debout.
Eh bien, ça sonne comme si j'avais fait tomber beaucoup d'affaires de ce bureau. Je suppose que j'ai besoin de tout remettre à sa place. Toujours essayant de trouver un chemin à l'aveugle, j'ai rassemblé toutes les notes qui avaient été éparpillées, les cahiers et les fournitures d'écriture. Les stylos, quoi. On va dire stylos. I can't tell what's what. What is what? Ouais, je ne peux pas dire qui est quoi. Ah, c'est tellement embarrassant. Mais bordel, qu'est-ce que je suis en train de faire, de toute manière? N'étais-je pas supposé me dépêcher de rentrer à la maison? Je suis tellement... Qu'est-ce que c'est, klutz? Klutz. Un mot que je ne connais pas. Klutz. Elle se traite d'idiote? Une empotée. Une telle empotée. J'ai laissé échapper un soupir. Seem to be doing that a lot. Il semblait que je faisais ça beaucoup dernièrement. Ok, ça c'est un cahier. Et ça c'est un bloc-notes. C'est juste. Peut-être que textbook c'est le livre. Donc j'essayais de faire l'inventaire de toutes ces choses que j'avais fait tomber du bureau quand j'ai réalisé pourquoi je pouvais juste tout aussi bien me lever et tout remettre en bordel à l'intérieur. Je ne peux pas vraiment organiser tout correctement dans l'obscurité la plus totale, la plus absolue. Je ferai mieux de m'excuser demain à quiconque est assis ici, enfin s'assoit ici. Pas que c'était particulièrement plaisant. Prospect. Prospect, ça me fait penser à prospecter, mais je pense pas que ce soit ça. Perspective. Non pas que ce soit une particulièrement plaisante perspective. Expliquer ce que j'avais fait aurait été plus simple. Et... How I sugarcoated it. Or sugarcoat. Édulcoré, enrobé, minimisé. D'accord. Donc, expliquer ce que j'avais fait n'aurait pas été simple. Et même si j'avais minimisé, ça... Clumsiness. Ma bêtise. Clumsy. Ma maladresse, ma gaucherie. Ça n'aurait pas minimisé et ça aurait juste montré ma maladroitesse. Si je ne disais rien, c'est pas comme si j'allais être découverte, mais ça aurait été pareil que mentir, aussi loin que je me sente concerné, et je ne pouvais pas faire ça. Ok, je crois que j'ai tout. J'ai placé ma main contre le sol et je l'ai passé le long du sol en essayant de sentir si je n'avais rien, s'il n'y avait rien que j'aurais pu manquer. Et j'ai trouvé quelque chose. Très bien.
Nani kore? Nanda ka nuru nuru shite. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Hein, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout gélatineux. J'avais clairement passé mes doigts sur quelque chose, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Si c'était un cahier ou... Writing implement. Implement. Mettre en œuvre implement. Writing implement. On va laisser tomber. Quelque chose qui sert à écrire. Peut-être de l'encre. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un aurait quelque chose comme ça dans son bureau? Peut-être que c'était sur le sol depuis tout ce temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai frotté mes doigts. J'ai frotté le bout de mes doigts collants un peu plus profondément dans l'endroit humide. Et j'ai alors ramené la main à mon visage pour voir si je pouvais donc voir un petit peu mieux qu'est-ce que c'était. Bordel de merde, qu'est-ce que je viens de toucher? Je crois que c'est du sang, mais j'ai un doute. Il y a eu un éclair presque immédiatement, rejoint par du tonnerre. Et avec ça, pendant une seconde, l'obscurité complète de la salle était aussi claire que le jour. C'est du sang. Une remarque, alors je ne sais pas si tu as remarqué Darmaniac, mais sur une des tables de la seconde rangée en partant de l'avant, il y a un truc qui est apparu, qui n'était pas là avant, et je viens juste de le remarquer. Je sais pas ce que c'est, on dirait un cahier. Je suis sûr que c'était pas là avant. Mon Dieu, c'est du sang. Je me suis remise debout, mortifiée. En une seconde, j'ai jeté un bon coup d'œil à mes doigts et ça semblait réellement comme s'ils étaient couverts de sang. Mais ce n'était pas juste ma main, non. Du coin de l'œil, si je pouvais faire confiance à la fiabilité de mon coin de l'œil, il semblait que l'entièreté de la salle était... taché d'un sombre et profond écarlate. Merde, ça sent comme du sang ici aussi. Sans réfléchir, je me suis reculé de là où j'étais accroupi. J'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu. Comment toute une salle de classe pouvait devenir un bain de sang comme ça? Est-ce que quelque chose s'est renversé? Est-ce que quelqu'un de blessé est arrivé ici? Mais ce n'est pas possible. Ça ne se peut. Je veux dire, comment? Tout mon corps tremblait et j'ai dégagé de la salle. Ou du moins, j'ai essayé de m'enfuir. Quoi? Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir? Non, s'il vous plaît, non. Maintenant,
pas l'avoir fermé, verrouillé, et ce n'était pas verrouillé. Donc pourquoi est-ce que je ne peux pas l'ouvrir ? Donc j'ai secoué la poignée de la porte encore et encore, frénétiquement. Enfin, elle a dit en frenzy, c'est comme si elle était folle. Ah, j'ai une notification sur la tablette qui a fait du bruit. J'espère que ça s'est pas trop entendu. Donc je la tirais si forte, si fortement, que cela donnait l'impression que mes ongles allaient se casser ou allaient se déchirer. Mais ça ne voulait juste pas bouger. Pourquoi ? Pourquoi ? S'il vous plaît. Sans réfléchir, j'attrapais mes cheveux avec une main. Et je foutais un bon coup de poing sur le bureau le plus proche. Avec l'autre. Il y reste beaucoup de... Dans ce chapitre, il y en avait 6 dans ce chapitre. On va pas toutes les faire ce soir. Hein. Là, il reste 15 minutes, moins de 15 minutes. On va juste faire la seconde mauvaise fin. Dire il y a 5 mauvaises fins et une bonne fin. Là, on va juste faire la mauvaise fin numéro 2. Et je pense que la prochaine fois qu'on jouera au jeu, on fera la mauvaise fin 3 et 4. Après, si dans tout le jeu, tu demandes le nombre de fins... C'est vrai qu'il est tard. Bah oui, il est 1h29, ça fait 47 minutes que je joue. C'est un visual novel, hein, il faut savoir prendre son temps. Et si tu demandes pour toutes les fins dans toute l'entièreté du jeu, il y en a plus de 60. Donc... Non, il n'y en a pas 60. Dans le premier jeu, il y en a 60. Là, il doit y en avoir une cinquantaine. Même moins. On peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 parce qu'il y a le chapitre 8. Mais il n'est pas débloquable pour l'instant. Il faut avoir terminé le jeu. Ouais, donc, il y aura une trentaine de mauvaises fins, a priori. C'est-à-dire qu'il y en a... Il y en a la moitié par rapport au premier course parti, enfin au jeu précédent. Où il y en avait vraiment beaucoup dans le jeu précédent. Mais il y en avait le double. Tant là, on n'a pas les mêmes, puisque... On va pas revoir ce qu'on a déjà vu dans le jeu précédent. C'était un cauchemar. Et je tiens à essayer de tenir, hormis quand j'arrive miraculeusement à y jouer le week-end en après-midi à ce jeu, quand le PC est libre, j'essaye de m'en tenir à une heure. Parce que sinon, bah, je vais jamais m'arrêter. Et on va faire des sessions beaucoup trop longues, je vais me coucher à pas d'heure. S'il vous plaît. Non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le silence. Oui, rendait saturé, donc... l'obscurité qui est étale de l'encre de la salle. J'ai pris plusieurs respirations profondes en essayant de calmer, de restreindre mon cœur qui battait, mon cœur battant. Calme-toi, je dois me calmer. Je panique probablement parce que la porte ne veut pas s'ouvrir. Je suis sûr que j'ai juste mal identifié quoi que ce soit qui est sur le sol. Enfin, je veux dire, c'est présomptueux, pas vrai? Il n'y a aucun moyen. Il n'y a pas moyen que ce soit quelque chose comme ce que c'était. Comme ce que ça devrait être. Que donc quelque chose comme ceci puisse être du sang.
Mais pourtant, c'est vraiment du sang. J'étais certaine de ça quand j'ai vu... I was certain that when... Why? It's actually was come morning. Certaine that... J'étais certaine de ça quand j'ai vu que c'était en fait, ce qui était venu le matin. J'ai du mal à comprendre la phrase. J'étais certaine de ça. Non, j'étais certaine quand j'ai vu ça. Wow, j'ai du mal avec la phrase. Pourquoi j'ai du mal avec la phrase? Elle est pas compliquée en plus. I was certain that when I saw what it actually was come morning, it's end up being something totally random. Bon. Alors la première partie, je sais pas pourquoi j'ai mal à le comprendre. Enfin, j'étais certaine de ça quand j'ai vu ce que c'est. Qu'en fait. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. J'étais certaine de ça quand j'avais vu ce qui s'était en fait produit ce matin. Ça s'était terminé en un truc du genre complètement aléatoire, comme quelqu'un qui avait taché avec du soda mes vêtements de sport. Et ça, elle essaye de se persuader qu'en fait c'est du soda et pas du sang. Ça doit être ça. Ouais, probablement, j'ai juste percuté quelqu'un, la peinture de quelqu'un de la salle de classe ou quelque chose dans le genre. Mon imagination était en roue libre parce que j'étais en train de paniquer. Et la porte a juste quelque chose qui s'est bloqué dans sa... qui s'est bloqué. C'est tout. J'ai décidé de vérifier cette hypothèse en passant ma main. Enfin, elle n'a pas mis sa main. Mais en sentant donc le passage de la porte, en déterminant si quelque chose avait été pris dans l'espace. Bordel, c'est pas sûr que je puisse faire ça sans être capable de voir. Donc j'ai cherché au niveau des espaces de la porte, mais je ne pouvais pas vraiment faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit qui aurait pu bloquer la porte. And the classroom rear exits in the roadway. Et la sortie arrière... Non. Rear, il me semble que c'est la taille. Non, c'est waist, la taille. Rear. Qu'est-ce que c'est que rear? J'ai un doute. Je sais que c'est lié à l'anatomie. L'arrière. Donc c'est pas de l'anatomie, j'ai confondu avec la taille, donc waist. Donc, et la sortie arrière de la salle semblait lointaine. Peut-être qu'il y a un autre moyen de partir d'ici. Non, c'était troisième étage. Je ne pouvais pas sortir d'une salle de classe sans sortir dans le couloir. Laisse-moi sortir, je veux partir. C'est toujours une défaite. J'avais remarqué un soudain flash de lumière à travers la fenêtre du couloir. Mais le verre était translucide. Le verre était seulement translucide, alors j'aurais pas pu être sûr que ce soit la source. Mais
Elle veut juste dire que le verre aurait pu réfléchir la lumière. Donc elle ne pouvait pas être sûre de la source. Pourquoi dire qu'il était translucide? Ah non, translucent, c'est pas translucide. Translucent, c'est brillant. Il me semble, je vais vérifier. Translucent. On s'écrit avec un S. Translucide. Ah si, c'est bien translucide, c'est pas brillant. Oh non, j'avais raison. Est-ce que quelqu'un est à l'extérieur? Et alors, est arrivé un distinctif son de personne qui marche. Mais évidemment, ce doit être le concierge, le gardien. Je me suis rappelé son l'existence d'un gardien qui patrouille toujours dans l'école. J'étais sûr que qu'il devait jeter un coup d'œil ici, après la soudaine perte d'électricité. Parfait. Non, c'est plutôt super. Je suis sauvé. Ah, tout en... d'une traite. Donc oui, mes jambes paralysées par la peur avaient regagné leur force. Ou mes jambes affaiblies par la peur avaient regagné leur force. Ce cauchemar serait bientôt terminé. On se doute que c'est pas vraiment le gardien. Excusez-moi, j'ai interpellé le gardien à travers la fenêtre aussi fortement que je pouvais le faire. Excusez-moi, je suis piégé ici. Je vais être sûr qu'il m'avait entendu. Je l'ai interpellé à nouveau. Finalement, je pouvais voir la lumière du couloir à nouveau, et elle semblait se rapprocher. Cependant, quelque chose ne va pas, sujet. À ce propos, perturbé, j'ai fait un pas en arrière. Si c'est une lampe torche, ne devrait-elle pas être plus brillante? Non, plus lumineuse. Plus éclairante. Mais plus brillante, ça passe. C'est dans... on dirait un genre de... comme le genre de lumière faible, surnaturelle, le brillant surnaturel classique attribué aux esprits, aux fantômes. C'était à ça que je pensais. J'ai essayé de m'empêcher de terminer cette pensée. Cependant, Dolness. Finalement, on va pas faire la seconde mauvaise fin vu l'heure. Ça fait une heure de stream dans quelques secondes. Platitude. Ennuyeux, monotone. Donc, en mettant de côté la monotonie, ou la platitude, on va dire la platitude. En mettant de côté la platitude, ça ressent, je pense, la fadeur. C'est la fadeur, c'est aussi le synonyme de fadeur. Donc mettant la fadeur de côté, ça ressemblait aussi à quelque chose de vraiment très surnaturel, de vraiment qui ne ressemblait pas à une lampe torche. Et c'est pas...
quatre pas, puis trois, ou donc une intervalle, et alors quatre autres pas. Ça sonnait comme un rythme. Ce n'est pas le gardien. Personne ne marche comme ça. La peur était de retour. Avons faim. À fond la folle, à fond. Je devais trouver un endroit où me cacher. Et si j'avais accidentellement invoqué quelque chose d'inhumain, je veux dire, quoi que ce soit, j'ai demandé son aide. Je l'ai littéralement invité ici. Je me cachais, mais où? Évidemment, comme je suis un agréable streamer, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois qu'on joue, on fera la mauvaise fin numéro 2. Du coup, je vais te souhaiter une bonne nuit d'Armagnac. Demain, on continue Persona, enfin, demain tout à l'heure. Et pour course partie, on verra quand on continue. On va sauvegarder et on va s'arrêter. Là, on est dans la bonne partie effrayante. Le menu. On va pas hoster à cette heure-ci, on va juste s'arrêter. Ouais, la souris. Allez. Ah, je vais quand même dire demain. Bonne nuit. Et évidemment, il y aura le résumé dans le Discord de la session d'aujourd'hui.